bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de Ligne. J'espère que vous êtes tous super bien en ce lundi 8 novembre. Donc tout premier jour, ça y est, c'est la rentrée. Enfin, ça a été la rentrée du coup. Donc voilà, on est rentré en prépa. Ça fait tout drôle parce qu'on passe des vacances où... Enfin, on gère vraiment bien son truc. On est dans son petit monde et puis là... Le petit changement quoi. Mais écoutez, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Maths et physique. Donc de 9 à 12 j'ai eu maths, on a presque terminé du coup le chapitre 5 sur les primitives et équations différentielles linéaires. Et donc il me semble qu'on s'est avancé sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants. Donc voilà, en fait, je suis allé un peu plus loin que prévu sur ma colle. Je me suis rendu compte un peu ce matin, enfin en cours, qu'il y avait des démonstrations du coup que j'avais déjà vues. Et dans ma tête, c'était en mode, j'ai vu ça et tout, mais au final, non, c'est juste, c'est normal. Il y a des choses qu'il a expliquées aujourd'hui. Et bien écoutez, sinon après, donc il nous a rendu aussi notre DM qu'on a déposé, enfin qu'on lui a passé. Du coup, avant les vacances, j'ai eu 6 sur 10. Bon, ça va. C'est une bonne note. Il est assez content de ce que j'ai pu faire. Donc ça, c'est plutôt cool en fait. Surtout ça qui est important, hein, la note en soi, en prépa. Enfin, ça veut tout rien dire, mais ouais, en tout cas, un petit 6 sur 10, ça fait plaisir. Une bonne appréciation aussi de la part du prof, et ça c'est plus qu'un plus. C'est un peu... ça m'a fait quelque chose de voir ça, parce que premier DS, j'ai eu un commentaire pas très cool, et puis là, me disant, si tu fais rien ce que tu as fait, enfin bref, du coup, ça redonne de la motivation, et ça donne envie de continuer du coup. Sinon, du coup, l'après-midi, physique, tout nouveau chapitre. Donc, c'était le circuit LC, donc ces oscillateurs. On a vu le circuit, enfin une partie du circuit LC, du coup, l'oscillateur harmonique, qu'on a fini d'ailleurs, assez court. Et je me rappelle parce que, enfin, ça m'a surpris parce que l'an dernier, enfin en PCSO, du coup. On est resté vraiment un petit bout de temps dessus. Et là, on a fait ça vraiment en quelques... Ouais, je pense en moins d'une heure. Hein. On a dû faire ça et... C'est allé super vite, quoi. Et ouais, enfin bon, de toute façon, je l'ai déjà vu l'an dernier, donc... Il n'y a pas mort d'homme. Et puis voilà, donc ce qui en était pour le cours... Enfin, pour les cours aujourd'hui. Ensuite, donc, j'ai terminé 15h, je suis parti à la bibliothèque universitaire pour... au CDI avant. Pour préparer ma colle, du coup, de demain en mathématiques. Qui portera, du coup, encore une fois, je pense que c'est la colle de laquelle je voulais le plus afficher sur ces dernières vidéos. Primitive, encore une fois, équation différentielle linéaire. Bon, moi, visiblement, je suis allé un peu plus loin que prévu. Je vais reprendre juste ce qu'il y a à faire, du coup. Mais voilà, et faire des exercices aussi. Mais oui, du coup, revenons à l'après-midi. Et CDI, ensuite, j'ai basculé à la bibliothèque universitaire. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai ma petite routine, c'est-à-dire que le resto universitaire ferme à 17h45. Et moi, je passe vers 17h30, un truc comme ça. Je récupère ma nourriture. Comme j'habite à côté, du coup, je passe ici, je dépose la nourriture, enfin le repas de ce soir, du coup. Et je repars avec les affaires à la BU qui est aussi à côté. Donc voilà, ça commence à s'organiser un peu tout ça. Enfin, c'est les petites routines qui s'installent. Et ça, c'est bien, ça permet de ne pas perdre de temps et juste d'avancer, quoi. Enfin bon, et du coup, oui, BU et puis ouais, j'ai fait des maths, j'ai fait de l'anglais aussi. J'ai fait de l'anglais et voilà. Du coup, demain ce que j'ai, donc comme vous le savez, c'est pour ma semaine, c'est la journée la plus tranquille du coup mardi. On a que des langues. Enfin, que des langues. On a des maths, hein, on a MPSI, mais
Le matin, j'ai de 8 à 10, j'ai des enfin j'ai élevé un, pardon. De 10 à 12, j'ai maths et l'après-midi, de 13 à 15, j'ai français. Puis voilà, donc bon, LV1, enfin en anglais, du coup, on aura le fameux test de vocabulaire. Je suis en train de penser, on n'a pas fait de contrôle particulier, non. Ça va juste nous rendre du coup des tests de vocabulaire, c'est tout. En maths, on n'attend rien non plus. Et en français, par contre, on attend on attend quelque chose. Si, si, on attend. Il nous a pas rendu nos copies. On a eu un. C'est ça, ouais. On a eu un petit résumé à faire d'un texte. Il me semble 100, 120 ou 110 mots. Ou même 100 mots. Vous voyez comme quoi ça commence à dater. Donc, non, c'est sûr qu'on l'aura du coup demain. Mais ouais. Bah sinon, ce que j'ai à faire du coup comme devoir, enfin, ce que j'ai à faire pour demain. Demain, j'ai bon, bah, la colle du coup que je passe d'ailleurs à quelle heure? Semaine 6. 17h15. Avec un prof que je connais pas du tout. Enfin, avec un colleur du coup que je connais pas. Et je lui dis, bon, il était censé avoir anglais, mais on n'aura pas. Vu que c'est l'armistice, un jour férié. Puis voilà. Donc, maths, enfin la colle. Revoir aussi le cours. Ça, c'est ce que je vais faire. Sinon, faut que je fasse aussi des articles. Enfin, faut que je résume deux articles de presse et que je présente ça du coup demain matin, dès que j'arrive. En gros, comment ça se passe? Enfin, je sais pas si c'est vrai du coup pour votre prépa. Dans notre prépa et en anglais du coup, notre enseignant à chaque fois demande à ce qu'il y ait un élève qui présente, avant de commencer le cours, donc qui présente deux articles de presse. Il les prend enfin où il veut, enfin The Guardian, New York Times, enfin bref, mais qui est en lien du coup avec le thème. Et puis voilà, donc il doit présenter ça et du coup bah, je vais devoir le présenter vu que j'ai une tâche, enfin j'ai un. Bon, si j'ai une tâche à faire, en fait, c'est que je devais désigner une personne pour le faire. Bon, j'ai oublié de le faire. Enfin, j'ai oublié de désigner la personne. Et... Bon, bah, je me porte volontaire. Puis voilà. Donc, j'ai ça à faire. Et puis, ouais, ça devrait être à peu près tout. Donc, revoir les maths, la physique, code de maths et anglais. Donc, voilà. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire comment s'est passé, du coup, votre premier jour de rentrée. Si ça s'est bien passé, si vous n'avez pas trop mal vécu la transition. D'ailleurs, je sais, enfin, j'en ai vu du coup pas mal dans les rues de Saint-Brieuc, là, bah, qui est rentrée aussi bah, à la fac. Donc, il y a pas mal d'entre nous qui ont fait leur petite rentrée aujourd'hui. Et puis voilà, dites-moi en plus. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à vous abonner. Et bon, du coup, on se donne rendez-vous demain soir pour le débrief de la colle de maths. Et puis ouais, surtout restez connectés parce que dimanche il va se passer quelque chose de très spécial. Voilà, j'en dis pas plus. Sur ce, passez une excellente soirée, on se donne rendez-vous demain et travaillez. Ciao!